Bonjour, je suis Dorian de la concession Mitsubishi Nancy au sein du groupe Théobald et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le nouveau Mitsubishi i6 2023. L'i6 2023 que nous vous présentons aujourd'hui fait référence dans le marché des SUV citadins de par sa polyvalence, son gabarit et notamment son confort pour conduire en ville. Dans le nouvel i6, nous retrouvons 4 nouvelles motorisations. Un moteur 100% thermique, un moteur micro-hybride, un moteur hybride simple et bien entendu, Mitsubishi étant pionnier depuis des années dans le moteur hybride rechargeable, vous retrouvez aussi un moteur hybride rechargeable sur le nouvel i6. Le moteur hybride rechargeable vous offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 61 km en tout électrique. Ce nouvel i6 2023, de par ses 4,22 m de longueur et ses 2,63 m d'empattement, en fait un véhicule parfaitement adapté pour tous vos déplacements en ville. Point de vue design, nous retrouvons ici une peinture métallisée avec un toit noir et une peinture Sunrise Red. Vous retrouvez sur l'ensemble de la gamme cet insert en alu chromé qui lui donne un style assez caractéristique. Nous retrouvons ici des jantes en alliage 18 pouces biton qui lui donne aussi son style assez sportif et assez innovant. Sur l'avant du véhicule, vous allez pouvoir noter quelque chose d'assez caractéristique, c'est cette calandre Dynamic Shield. Donc ce Dynamic Shield, c'est cet aspect en alu chromé qui est présent sur l'ensemble de la gamme Mitsubishi. Et bien entendu, qui dit Mitsubishi dit forcément les trois diamants. Critère important aujourd'hui sur le choix de votre futur véhicule, le volume du coffre. Sur cet i6, nous retrouvons un volume de coffre pouvant aller de 422 litres à 536 litres. Pourquoi 536 litres ? Aujourd'hui, nous retrouvons une fonctionnalité super originale et unique en son genre que vous retrouverez uniquement sur ce crossover. La banquette arrière est coulissante sur 16 cm, ce qui lui permet de passer en un geste simple et efficace d'un volume de coffre de 422 litres à 536 litres. À bord de cet i6 2023, nous retrouvons des équipements de série comme l'Apple CarPlay, l'Android Auto, les radars avant et les radars à l'arrière et aussi une caméra de recul. En termes de sécurité à bord mais aussi de conduite, vous retrouvez le régulateur adaptatif, du maintien à la voie mais aussi du détecteur de franchissement de ligne. À bord de cet i6 2023, vous avez la possibilité, via ce bouton que nous retrouvons juste ici, de modifier les différents modes de conduite. J'ai juste à appuyer sur le mode configurer le mode, vous pouvez modifier votre direction, le type de navigation, mais aussi point de vue design, vous avez la possibilité, via votre humeur, de pouvoir changer l'ambiance des véhicules que vous retrouvez sur les côtés des portes. De par sa polyvalence et son large choix de motorisation, nous vous invitons donc à venir découvrir et à essayer ce nouvel i6 au sein de nos concessions à Nancy, à Metz et à Thionville. À bientôt !